Bonjour Pauline. Bonjour madame. Ah, quel temps fait-il Pauline? Il fait très beau madame. Oui, combien de degrés? 9 ce matin. Oh, pas beaucoup pour moi. Oh là là. Enfin. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Comme d'habitude. Tu as entendu ce matin de bonne heure citer les Martinets? Les Martinets, les enfants. Mais le jardin est déjà plein d'enfants. Oui. Je te sers? C'est les Martinets, les enfants, ce qu'il fait beau. Quelle chance. Le courrier est là? Oui. Il y en a beaucoup? Bien assez. Dis-moi, à propos de courrier, il faudrait tout de même prendre une décision pour ce film qu'on te demande. Tu sais, le film sur toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'en pense que j'essaie d'être photogénique. Oui, mais tu sais, le ministère des Affaires étrangères insiste beaucoup, il faudrait... Tu sais comment on veut le faire? Le ministère des Affaires étrangères a trop de tact pour insister beaucoup s'il lui disait non. Oui, je sais bien. Tu sais comment on veut le faire, hein? D'après tes maisons. Non. D'après tes maisons. D'après les maisons où tu as travaillé, où tu as vécu. Mais Maurice, ça n'est pas possible. Ce sera un film interminable. J'ai changé de domicile 14 fois et sans compter les maisons de campagne. Oui, je sais bien. Mais enfin, ils ne les prendront peut-être pas toutes. Non, pas toutes. Tout de même. Comment vois-tu ça? Comment est-ce qu'il faudrait le faire, d'après toi? Je ne le vois pas. Si je le voyais trop bien... J'aurais la force et le courage plutôt de refuser, mais il faudrait dans tous les cas respecter la chronologie et commencer par ma maison natale, à Saint-Sauveur. La maison était grande, coiffée d'un grenier haut, une maison bourgeoise du vieux village, mais la pente raide de la rue bousculait un peu sa gravité. Et son perron boitait, avec 6 marches d'un côté et 10 de l'autre. Grande maison grave, revêche, avec sa porte à clochette d'orphelinat, son entrée cochère, à gros verrou de geôle ancienne, une maison qui ne souriait qu'à son jardin. Son revers, doré par le soleil, invisible aux passants, portait manteau de glycine et de bignonniers mêlés qui ombrageaient une petite terrasse d'allée et le seuil du salon. Dans le jardin du haut, deux sapins jumeaux, des roses, une tonnelle disloquée, des gazons négligés. Le jardin du haut commandait un jardin du bas. Un potager resserré et chaud, consacré à l'aubergine, au piment, où l'odeur du feuillage de la tomate se mêlait en juillet, au parfum de l'abricot mûri sur les espaliers. Une forte grille de clôture en bordure de la rue des Vignes eût dû défendre les deux jardins, mais je n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment du mur, emportée, brandie en l'air, par les bras invincibles d'une glycine centenaire. Peut-être nos voisins imitaient-ils dans leur jardin la paix d'une autre où les enfants ne se battaient point,
où les bêtes et les gens s'exprimaient avec douceur. Un jardin où 30 années durant, un mari et une femme vécurent sans élever la voix l'un contre l'autre. Cela me semble étrange à présent que j'ai si peu connu mon père. Mon attention, ma ferveur tournée vers Sido ne s'en détachait que par caprice. Sido, ma mère, m'a jamais assez ni assez bien aimé. Chaque jour, en rentrant de l'école, je saluais inséparable ma mère, le jardin, la ronde des bêtes. L'heure de mon retour était justement celle de l'arrosage. Et je chéris encore cette heure du crépuscule, l'arrosoir vert qui mouillait la robe de satinette bleue et la vigoureuse odeur de l'humus. Présence végétale agissait sur Sido comme un antidote. Elle avait une manière étrange de relever les roses par le menton pour les regarder en plein visage. Enfance, heureuse enfance. Enfance des enfants villageois. Adolescence, longtemps détournée du mariage. D'ailleurs, une fille sans le sou se marie-t-elle ? Il arrive pourtant qu'elle se fiance de la manière la plus imprévue et qu'elle reste longtemps fiancée, comme les anciennes jeunes filles. Elle s'en va avec son mari habiter un petit logis triste, ne s'aperçoit pas qu'il est triste ni qu'elle n'aime pas Paris. Elle sait seulement qu'un sentiment inéluctable d'attente s'impose à toutes les heures. Un portique de gymnastique pourvu d'agrès. Un chien bulldog au grand cœur. Voilà de quoi attendre les 4 Claudines. Et puis mine, et les égarements de mine. Et la retraite sentimentale. Petit roman où je m'aperçois qu'une maison rustique m'a pris le cœur. Je l'appelais dans le roman Casamène. C'est une basse vieille maison à un étage, chaude l'hiver et fraîche l'été. Un logis sans atours, mais non sans grâce. Le petit fronton directoire s'écaille, moisi, tout jaune, et sous les 5 marches descellées du perron, un crapaud chante le soir d'un gosier amoureux et plein de perles. Alentour, un pays que j'aime déjà, réuni l'âpreté d'un midi de mistral, les pins bleus de l'Est, et du haut de la terrasse on voit luire très loin une froide rivière, argentée et rapide, couleur d'ablette. Comme au plus agréable des pièges, j'ai failli rester prise au charme des Montboucon. Vieux arbres fruitiers, cerisiers, mirabelles, murs épais, feux de bois, sèches alcôves craquantes. Il s'en fallut de peu que de bourguignonne je ne tournasse byzantine ou tout au moins franc-comtoise. Mais un obstacle assez terrible s'interposa entre moi et divers aspects d'une liberté qui me faisait envie. Je veux dire l'absence de ressources matérielles, l'absence aussi de toute manière de gagner ma vie, de sorte que, n'ayant rien appris, j'eus recours non pas au plus facile, mais à l'art difficile de m'exprimer sans parole, la pantomime.
Un maître scrupuleux et plein d'expressifs talents, j'eus lieu, combien de fois, de me réjouir d'avoir rencontré Georges Vague. Colette a transformé votre nom Georges Vague en celui de Georges Brague. Oui. Et je crois qu'elle a parlé de vous dans beaucoup de ses romans, en particulier dans La Vagabonde. Dans La Vagabonde et dans L'Envers du Music-Hall. J'ai été Georges Brague tant que nous avons joué ensemble. Et puis, au fur et à mesure que notre amitié vieillissait, petit à petit, je suis devenu Georges Vague. Ah bon. Est-ce que ça vous étonnait de voir Colette écrire et jouer en même temps? Non, je n'ai pas été étonné plus que le public en général. Elle était pour moi un écrivain, elle s'est mise à jouer la pantomime, elle s'est aperçue que la pantomime, qu'elle avait du succès, qu'elle avait même un certain... ça rapportait, enfin nous avions des engagements, et elle est devenue une professionnelle, naturellement. Bon, alors sur le plan strictement professionnel, justement, est-ce qu'elle était ponctuelle? À ce point de vue-là, elle était d'une ponctualité, d'une discipline. Elle écoutait religieusement ce qu'on lui disait. Par exemple, je lui disais, nous allons faire ça, tu fais ça, et puis ça. Alors, elle disait, j'ai bien compris. Et puis, elle faisait autre chose. Mais, je dois dire que cette autre chose correspondait à ce qui avait été fait avant. Seulement, elle faisait de la pantomime comme elle a écrit. Elle n'a écrit comme personne. Elle jouait la pantomime comme personne. C'était différent. Je crois que vous avez joué partout, vous avez voyagé énormément. Nous avons, oui, on peut dire que nous avons bourlingué à peu près dans tous les genres d'établissements, depuis les cafés-concerts, même des boui-boui, jusqu'à des théâtres officiels, majestueux, dans les endroits les plus sérieux. Et nous avons voyagé un peu partout. Nous retournions tous les ans dans les mêmes villes, on était rappelés. Et vous avez joué plusieurs pièces ou bien... Nous avons joué plusieurs pièces, mais il faut dire qu'il y a des pièces qui changeaient de nom. Je pense que c'était la même, mais ça avait changé de nom. Par exemple, L'Emprise et La Chair, c'était la même chose. L'envers du Music Hall, La Vagabonde, mes souvenirs ont noirci plus d'un volume, durant que je prenais fort au sérieux ma vie nouvelle et l'obstination, à peu près 8 ans, que je n'ai jamais eu l'occasion de regretter. Ce n'est pourtant pas la puissance natale ni la rude comté qui me consolèrent d'un premier divorce, le chalet de bois, sa fragilité, son jardinet, ses quelques beaux vieux arbres. C'est à Passy que je l'ai trouvé, rue Cortambert, et tout pareil à ce que la richesse n'achète point. Car j'ai vu le silence, des chiens discrets, des chats bien vêtus, un écureuil venu du Brésil. J'ai eu bien mieux encore une belle enfant née de mes flancs et qui me fait encore aujourd'hui la grâce de m'aimer. Je dois beaucoup au chalet de Passy. Sous ses balcons de bois et ses trèfles, j'ai mené une vie véritablement féminine
émaillée de chagrins ordinaires et guérissables, de révolte, de rire et de lâcheté. Là, je travaillais, le besoin d'argent aux trousses. Ici se place ce que j'appelais autrefois l'intermède breton. Il s'appela aussi la rose blanche et il s'appela le blé en herbe. Il s'appelle encore le blé en herbe. Je crois que c'est le meilleur de mon œuvre, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'un peu plus tard, une couleur de Méditerranée versa son bleu, son vert, sur un autre roman qui s'appelle La naissance du jour et qui, chargé de raisins provençaux, fait par contraste ma Bretagne plus sévère. Au bord d'une route que craignent les automobiles, derrière la plus banale grille que des lauriers roses étouffent, empressés à tendre aux passants entre les barreaux des bouquets poudrés de poussière provençale, celle qui est aussi blanche que la farine et plus fine qu'un pollen, j'ai trouvé 2 hectares de vignes. De figuiers à fruits verts, de figuiers à fruits noirs, d'orangers. Il y a aussi une maison, mais elle compte moins, petite et basse d'étage, que sa terrasse couverte de glycines. Là, je me suis demandé, est-ce ma dernière maison? Je la mesure, je l'écoute, pendant que s'écoule la brève nuit intérieure qui succède immédiatement, tu sais, à l'heure de midi. Est-ce ma dernière maison, celle que je n'abandonnerai plus? Elle est si ordinaire qu'elle ne peut guère connaître de rival. Elle aussi, je l'ai abandonnée. Que me fallait-il donc pour me rendre fidèle à un 14e logis? Ni la mer, ni la neige, ni certains printemps n'ont donc suffi. La pierre de Paris me tient.
Je m'éveille en même temps qu'un grand quadrilatère qui compte des oiseaux, des enfants, des passants oisifs, des sédentaires qui, comme moi, comparent les unes aux autres les heures des jours et les heures des nuits. Les arcades mystérieusement pareilles et plus mystérieusement dissemblables. C'est le Palais Royal. Et je crois qu'on ne quitte jamais. On n'a jamais envie de quitter le Palais Royal. Hein? C'est la campagne en plein centre de Paris, ensemble. Oui, c'est bon. Surtout en ce moment, avec les marronniers en fleurs. Tu les as vus ce matin? Tu les as regardés? Je les ai vus ce matin, mais je crois que... Il n'y a pas que les marronniers en fleurs. Le temps fait fleurir les tulipes. Il y a une carte. Et je vais faire le marché, madame. Oui, mais ne soyez pas longtemps. Non, madame. Attendez, je vais essayer. Qu'est-ce qui t'envoie ça? Je ne sais pas. Attends. Je peux regarder? Attends. Voilà. Non, ce sont les... Tiens. Regarde. Lesquelles? Oh! C'est un chat. Oh, c'est de la part d'un chat. Il n'y a plus que les chats qui ont du tact. Hein? Il n'y a plus que des chats qui ont du tact. Ouais, je suis ravissante créature, naturellement. Voilà. Elle est madame de la Gouttière, celle-ci. Ce sont là des titres de noblesse. Je crois bien. Pauline. Madame, on a le marché. Pauline, mais vous voulez me rendre végétarienne? Mais c'est très simple pour madame. La potée aux choux et au cochon est aussi très saine pour madame. Mais c'est très bon, très bon. Voilà, attendez, vous regardez ça. Ils sont peut-être Pauline. Un peu forts. Hein? Ils sont peut-être un peu forts. Ah, je vais les essayer, Pauline. Il n'y a rien de tel. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Non, la douceur même. Voilà des radis. Oui. Vous pouvez m'ajouter que c'est des radis creux. Ah, madame, le temps, il ne pleut pas du tout. Non. Des petits pois, les petits pois sont beaux. Non, ils sont sucrés. Ils sont très sucrés. Les tomates sont belles. Allez, et maintenant, enlevez tout. Et une fraise pour moi. Et maintenant, enlevez. À ce coup-ci, je pars. Non. Au revoir, ma toilette. Mais non, ne pars pas. Qu'est-ce que tu vas encore aller faire loin de moi? Tu prétends toujours que je ne sais pas ne rien faire. Mais tu ne sais pas. Et toi, tu prétends savoir très bien ne rien faire. Oh, très bien. Je voudrais savoir ce que tu appelles ne rien faire parce que tu travailles toujours. Qu'est-ce que tu faisais? Tu travaillais? Oui. Là, tu écrivais. J'écrivais. Vaguement. J'en suis encore à penser depuis plus d'un demi-siècle. On suis encore à penser que je fais un métier difficile, Jean. Ma Colette, tout ce qu'on fait est difficile. Ce qui est admirable chez toi, c'est que quand tu fais une chose difficile, elle a l'air facile. Et un jour, on a 50 volumes. 50 volumes? Ne m'en parle pas, je t'en prie, j'en ai peur maintenant. Oui, mais ce qui est très extraordinaire, c'est que je ne veux pas parler de ta santé, je sais que tu détestes qu'on en parle. Oui. Mais c'est que tu ne te portes pas bien et que ton œuvre se porte à merveille.
Tous tes livres ont une santé magnifique. Oui, en somme, on ne parle ni de sa santé, ni de son travail, et c'est beaucoup mieux. Très bien. On parle de son oisiveté quand on peut. Tu m'as dit que tu savais être une oisive totale. Qu'est-ce que tu appelles ne rien faire? J'appelle ne rien faire me livrer à des occupations nombreuses et différentes. Est-ce que ça te suffit comme définition de l'oisiveté? Non. J'en voudrais plus. Ne rien faire. Il y a tant de manières de ne rien faire. J'en ai beaucoup. L'oisiveté, c'est aussi un métier. Mais je te dirais que ce n'est pas une chose dont nous puissions parler utilement maintenant parce que toi, tu as une espèce de névrose du travail et de l'invention. Moi, j'ai bien de l'oisiveté, mais tu sais, pour l'oisiveté, il faut être pris tout petit. Et tu sais que j'habite la campagne maintenant, alors tu m'as mise à ton école. Oui. Et il ne faut pas oublier que c'est en faisant l'école buissonnière que tu as rallié toutes les écoles et que tu t'es fait aimer de toutes les écoles. Moi, j'aime ce nom de buissonnière. Il est charmant. Eh bien, c'est ce que je fais, ami. Oui. Et toi, tu es au Palais Royal, dans une espèce de campagne. Oh, je crois bien. Est-ce que tu te promènes un peu maintenant? Mais avec le regard. Eh bien, avec le regard. Mais je ne peux pas. Yeux te promènent. J'attends de pouvoir. Mais tu sais, contempler, c'est une chose qui vous occupe énormément. Et tu marches beaucoup dans ta tête. Tu te promènes. Pas beaucoup. Non. Mais non, pas beaucoup. Je dis pas que ta tête marche, parce que tu n'aimes pas qu'on dise que ta tête marche. Beaucoup, mais tu marches beaucoup dans ta tête. J'ai d'autres travaux, je. Mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres qui sont plus secrets. Alors, j'en ai d'autres. Tu veux pas me les dire? Si. Oui, bien. Je prends ma tapisserie, par exemple, et je fais de la tapisserie, comme tu vois. Et pourquoi fais-tu de la tapisserie? Oh mon Dieu, je fais des choses charmantes. Je fais des sièges au point de tapisserie pour que mes amis aient de quoi s'asseoir quand ils viennent chez moi. Et puis là, je fais un petit tapis qui sera extrêmement joli pour Jean Cocteau. Eh bien, en somme, tu cherches tous les prétextes. Merci d'abord, mais tu cherches tous les prétextes pour ne pas travailler. Mais ce travail a l'air de se faire tout seul, c'est cela qui est miraculeux. Parce que tu es tout de même une fontaine d'encre. Je suis une fontaine d'encre. Comme c'est triste, Jean. Parle-moi de tout ce que tu fais, mais non pas de ce que je dois faire, moi. Je voudrais tellement que tu me dises tes secrets, voilà ce qui me plairait. Je n'en ai pas. Tu vois, j'avais raison de ne pas vouloir rester. Non. Alors, ma Colette. Tu veux t'en aller? Oui, je te laisse. Je t'embrasse. Au revoir, ma Colette. Regardez Pauline. Elle fait de la tapisserie.